L'interview Chronos. Ta marque de lunettes préférée? Yves Saint Laurent. Ton personnage préféré dans Game of Thrones? Tyrion Lannister. Un endroit à nous conseiller pour un très bon date? Sydney Beach. C'est où? Ah, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Bah, faut y aller après. Faut y aller. Juste ça, mais après, bon, ouais. On est là-bas, on est bien. Tu préférais passer une journée avec Justin Timberlake ou Rihanna? Timberlake. Ton style vestimentaire en trois mots? À l'aise. À l'aise. La célébrité la plus connue de ton répertoire? La célébrité la plus connue de mon répertoire, on m'appelle en même temps. Je pense que c'est Paul Pogba. La célébrité, ça on l'a fait. Le meilleur joueur français de l'Euro, bah justement, restons dans le foot de l'Euro qui vient de s'achever, qui était quand même franchement français. Pas terrible. Oui, français. Barcola. Un morceau parfait pour une soirée sans lendemain. Pour une soirée sans lendemain, Aphrodisiaque de Brandy. Le morceau que tu vas saigner tout l'été. Le morceau que j'ai signé tout l'été, Joli Bébé. Ta plus belle rencontre dans la musique? Ma plus belle rencontre dans la musique, Neige. Bah non, c'est non mais elle était là hier. Ah oui, elle était assise à côté de moi. Ouais. Ton conseil pour avoir la même barbe que toi, magnifique? Je sais pas. Hein. Prenez des lus, des ricins. Voilà. Un son qui n'est pas de toi, mais que tu connais par cœur? Brisé de Gims. Ton meilleur voyage? Meilleur voyage, la Côte d'Ivoire. Abidjan en un mot. Abidjan, capitale de la joie. C'est plusieurs mots, mais c'est bon. Ouais. On fait un film sur ta vie, tu l'appelles comment? Je sais pas. Il restait trois questions. Donc j'enlève trois albums à moins que tu décides de les mettre de ta poche. Mais non. Je veux pas te. Allez, acheter. Oh la pince. L'énorme pince. Non, allez, acheter. On va filer que sept albums. Parle en chiffres, Fred. Tu veux pas allez, acheter. Non, allez, acheter. Fait, tu vois. Fait. Ah, ça c'est ouais, en fait, c'est beaucoup déjà. Oui. Fait. Il avait dit fait. Allez. Oui, t'as vu sept. Bah, c'est voilà, sept albums à gagner. Ok. Écoute, je retiendrai l'histoire. Retiendra quand même que t'as une sacrée pince. Mais c'est peut-être comme ça en effet qu'on réussit, tu as raison. Exactement. Parfois il faut savoir aussi. C'est comme ça qu'on reste riche. Voilà. Vous avez en tout cas 7 albums à gagner si vous faites partie des 7 premiers sur le X de Planète Rap. Vous repartez avec cet album qui s'appelle De l'autre côté de VG Dream.